Nang's Reborn. Wow! Bonjour les Reborn! Bienvenue sur Rien Reborn, notre chaîne officielle, pour une vidéo extraordinaire. Ha! Comme je l'ai dit dans l'une de nos précédentes vidéos, je vous ai promis de faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose. C'est presque alarmer les gens. Et oui, c'est comme vous révéler des trucs, des choses vraiment cachées. Des choses aussi qui se préparent. Et oui, dans notre monde. Mais ça commence d'abord depuis le monde des esprits. Le monde des ténèbres. Ha! Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler de ce que le diable prépare contre vous, mais que vous ignorez, que beaucoup de personnes ignorent. D'abord, nous avons vu ce qui s'est passé dans le monde ces dernières années. Cette maladie qui amène les gens à fermer les frontières. Et beaucoup de personnes priaient pour que ça n'arrive pas dans leur pays à cause des choses qu'on a entendues autour de cette affaire. Et la vie des gens était devenue bizarre. Les gens étaient enfermés chez eux. Ils ne pouvaient pas sortir. On poursuivait le cohabit poursuivait les gens, ceux qui refusaient de rester chez eux à la maison. Alors qu'on a demandé de le faire, c'était devenu bizarre. Et les gens ont commencé à porter des masques de cache-nez parce qu'ils ont peur d'attraper la maladie. Et ils étaient inquiets, non? Quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais vraiment, c'est bizarre le monde. Le monde est vraiment très bizarre. Pendant que vous vous regardez en haut, le diable travaille en bas et il prépare son armée. Son armée. La future génération sont déjà en train d'entrer dans le système. Dans le système du diable. Un système où le Dieu va préparer des gens et qui va les déjà les positionner pour que quand son heure va venir, il va régner dans la gloire déjà et très rapidement, très facilement parce que il a déjà placé ses gars, même il a déjà fait naître ses potes dans ce monde, même chez vous et ses potes et ses poteaux sont là, bien calés. Et vous ne savez pas. Tout ce que vous préoccupe, c'est cette maladie qui frappe le monde entier. Cette histoire. Alors qu'il y a pire que ça, que le diable est en train de faire un pas. À partir de vous-même, des choses qui vous appartiennent. Il s'agit de qui? Il s'agit de vos enfants. Et ce qui se passe à leur niveau, ce qui se passe, c'est que le diable est en train de transmettre la sorcellerie aux enfants. Maintenant, la personne qui transmet la sorcellerie aux enfants, pourquoi vous n'allez pas attraper la personne? Pourquoi vous ne mettez pas, pourquoi vous ne prenez pas des mesures pour attraper la personne? Mais cette maladie-là, vous vous préoccupez de ça. Alors que la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie est censé être. En fait, l'esprit de la sorcellerie est censé représenter plus de dangers que même cette maladie. L'esprit de la sorcellerie. Ha! La sorcellerie n'est que là pour détruire. C'est un esprit de destruction. Une fois que quelqu'un est possédé par un démon, le démon sorcier
Il ne cherchera qu'à détruire. Qu'à détruire les gens. Mais ce qui est ouf de cette affaire, c'est que les sorciers deviennent de plus en plus nombreux. Même il y a des enfants dedans, les nouveaux-nés, ceux qui têtent là-bas. Je n'ai pas encore vu, mais ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir facilement. Mais les enfants qui commencent à parler, qui commencent à bouger un peu là. Vous pouvez les voir par les signes, par les œuvres. En fait, ça, ce n'est pas par les signes. Ceux qui peuvent voir facilement les sorciers avec les yeux spirituels, parce qu'ils étaient sorciers, peuvent le voir par les signes. Mais nous, on peut voir les œuvres. On peut voir les œuvres. Dès qu'il pose une action nette, on n'a même pas besoin d'une deuxième action. Nous, on sait que c'est une action de la sorcellerie. Et moi, je suis sorti. Je suis allé dehors. Et j'ai vu des jeunes, des petits. J'ai dit, mais attends. Tous ces petits, tous ces enfants-là, ils sont initiés dans la sorcellerie. Mais qui les a initiés? Et la sorcellerie se propage comme ça, plus qu'un virus. C'est l'esprit de la sorcellerie partout. Tu rentres dans un quartier. Tu ne crois aucune personne normale. Tous sont des zombies. Vous voyez pas zombies? Les sorciers. Donc tu as là, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Comment se fait-il que vous ayez eu tous eu la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie comme ça? Mais c'est bizarre. Mais c'est déjà fait. Parmi ces enfants, il y a des filles. Des filles. Ces filles-là vont grandir avec l'esprit de la sorcellerie. Maintenant, nous qui voyons ces filles-là, nous qui voyons la sorcellerie qui se trouve en elle. Qui va la marier? qui va aller la marier maintenant? Nous, on voit déjà que depuis son enfance, elle a commencé la sorcellerie jusqu'à elle a grandi. Elle a commencé à voir le loulou. Elle a commencé à voir tout, la forme, tout ça, ça a commencé à sortir. Boum, 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 boum. Wouh! Et voici, elle arrive à nous maintenant. On s'est dit, mais what? Quoi? Nous, on te connaît. On sait que tu as l'esprit de la sorcellerie. Ou pas? Tu sais que nous, on sait. Mais tu viens quand même devant nous pour nous séduire. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Et quand ça arrive comme ça, elles se disent que, ah, ce gars-là, il sait que je suis une sorcière. Puisqu'il sait que je suis une sorcière, je vais essayer de passer par un autre moyen. C'est-à-dire, j'ai tenté de collaborer avec deux sorciers du quartier, comme nous sommes beaucoup là, comme nous sommes nombreux là. J'ai essayé de collaborer avec eux, afin qu'on puisse faire un petit jeu seulement. On va créer une petite situation seulement, afin qu'ils puissent tomber dedans, ils ne puissent même pas avoir le temps de réfléchir, de chercher quoi que ce soit, à mettre ton coup de foudre. Boum! Le coup de foudre! Tomber amoureux d'une sorcière, juste comme ça, pas coup de foudre, sérieux, impossible. Je suis pas prêt pour ce genre de choses. Parce que si tu fais l'erreur, toi les saints, si tu fais l'erreur, toi l'élu de Dieu, pour prendre cette femme, même avoir des enfants avec elle, ha! Tu vas produire une armée de diables et de diables. Une armée de sorciers et de sorcières, toi aussi. Ça veut dire que parmi tes enfants, certains vont recevoir l'esprit de la sorcellerie à cause de leur mère qui est Maplaou. Ça veut dire qu'elle est sorcière. Le problème a commencé. Vous savez que l'amour, là, ça finit, non? Au sein d'un moment après, là, on devient comme des frères et sœurs. C'est là maintenant, on se dit le 4 février. Tenez. C'est là vous allez commencer à voir le vrai visage des femmes, de ces femmes sociales que vous allez aller ramasser, que vous êtes allé ramasser dehors. Ne soyez pas étonnés. Hein. Ne soyez pas surpris.
Quand je vois une femme, je pense déjà au futur. Je pense aux enfants. Parce qu'une femme, c'est une porte. Une femme ouvre la porte à à beaucoup de choses dans ce monde. C'est par la femme. Beaucoup de choses peuvent entrer dans notre monde. Je vous assure, hein? La femme qui est là. Ha! Si vous ne vous méfiez pas d'elle, vous serez surpris un bon matin. En tout cas, moi, j'ai vu, je regarde et je dis, bon, voici des gens qui ne sont pas au courant. Il faut que je vienne les en parler. Pendant que vous vous concentrez sur une histoire de maladie ou bien de virus, il y a quelque chose derrière qui a lieu. Et c'est ça. La transmission de la sorcellerie est plus qu'un virus. Ça fait plus de dégâts qu'un virus. Maintenant qu'on va dire que, oh, c'est maintenant l'heure venue pour qu'on puisse mettre la Mark 666 sur les gens. Et que quand vous allez commencer à fuir pour aller vous cacher, vous allez penser que la voisine n'est pas dedans. Parce que vous n'êtes pas au courant qu'elle est sorcière depuis. Vous allez aller vous cacher derrière la maison de la voisine, vous dire, voisine, il ne faut pas me voir, il faut me cacher. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les appeler, elle va dire, hey, vous la venez. C'est vous qui marquez les gens, c'est aussi chez les gens. Venez, venez, venez. Il est ici. Il est venu se cacher ici sur moi. Venez, venez ici, il est ici. Quand tu vas maintenant, quand la voisine maintenant va se retourner et que tu vas la regarder, tu vas voir ses yeux, tu vas voir que ses yeux sont devenus rouges. Tu vas dire, hein? Donc c'était un démon. Donc la voisine était de la sorcellerie depuis, mais j'étais pas au courant. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces gens que le diable était de préparer là, ce sont les gens qui vont représenter les yeux et les oreilles, même beaucoup de choses, mais du diable. Quand les gens essaieront de fuir la tribulation, fuir les problèmes, fuir les ennuis qui vont arriver de ce monde, ces gens-là, ces personnes-là, ces générations, ils vont servir d'éléments pour le diable. Si l'armée ne peut pas être partout, eux, ces gens qui sont dans la population, eux vont constituer des membres de l'armée. Des gens même prêts à essayer de liquider pour ça. Vous ne saurez même pas où vous cacher parce que partout où il y a une présence humaine, il y a le diable. À cause de l'esprit de la sorcellerie qui est déjà là. Quand tu tournes à gauche, ils sont là. Quand tu tournes à droite, ils sont là. Tu vas maintenant éviter l'homme. Ouais. Tu vas maintenant fuir toute présence humaine. Il y a un philosophe qui a dit que la fête, c'est les autres, non? Un autre a dit, oh, l'homme est un loup pour l'homme. Il y a un autre gars encore qui a dit, oh, le paradis, c'est l'absence des autres. C'est lui qui l'a dit là. Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai de chez vrai. Si toi tu es vivre sur cette terre, il faut éviter les gens. Ouais. Parce que si je te dis, il faut éviter les mauvaises personnes. Et puis pour les bonnes personnes, tu as été trompé. Tu as pensé que les bonnes personnes. Tu as pensé avoir choisi les bonnes personnes. Alors qu'il y a des sorciers qui se jouent aux bonnes personnes pour tromper. Donc je te dis en même temps, eux tous, ils sont des dards. Et tous, ils sont dedans. Il n'y a même pas une bonne personne qui s'est dit. Ils sont tous dans les mauvaises choses. Et c'est un danger. Ça représente un danger pour nous tous. Et je regarde ça. Je regarde tout ça. Je dis, mais voici, tu arrives dans un quartier, il y a 10 000 sorciers. Tu fais comment? Tu dois habiter là ou bien tu fais quoi? Les enfants qui vont naître, ils doivent aller à l'école, non? À l'école là-bas, là, il y a au moins 100 000 sorciers. C'est comment? Je mets ton enfant là-bas ou pas? En tout cas, ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est que vous devez prier que ces choses, ces esprits mauvais-là, n'influencent pas vos enfants, ne vous influencent pas vous-même aussi. Parce qu'ils sont dus à là. Si vous voulez suivre la mode, vous allez suivre ces gens. Si vous voulez suivre le monde et danser comme le monde, vous allez danser comme les démons parce que ces gens-là sont déjà possédés. Quand tu arrives à un concert, tu te dis, oh, voici les gens sont des chanteurs, sont des danseurs. Tous ceux qui dansent, ce sont les sorciers. Tous ceux qui chantent, ce sont les zombies.
Et puis, ils dansent entre eux là-bas. Toi qui arrives au milieu de l'intrigue, quoi. Souvent, c'est dit maintenant. Étouffons-le. Combattons-le. On va lui mettre le feu ici, là. Et ça se passe. Et ça se passe. Les sorciers qui créent les églises. Les gens font des églises. Ils vont chanter, ils vont même adorer Dieu. Ils croient adorer Dieu. Alors qu'ils sont en train de faire la sorcellerie. Ils sont dans la sorcellerie. Même les sorciers qui prient, qui chassent les démons. Tout est mélangé. Tout ça, c'est pour apporter la confusion dans l'église de Dieu. Tu ne sais pas qui dit la vérité. Tu vois sur les réseaux sociaux des gens qui viennent pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Alors qu'eux-mêmes, ils sont des ténèbres. Il y en a plein que je vois. Il y en a plein. Je les connais tous. On est ici sur Internet, ici. On se voit. On se voit. On se dit, on se met zoom. On se met le feu en esprit. C'est pas de la blague. Et c'est la réalité. Si vous voyez quelqu'un dénoncer les œuvres des ténèbres, allez prier, demandez à Dieu de vous montrer son vrai visage spirituel d'abord. Sinon, n'y croyez pas en la personne. Si la personne vous dit Jésus est Seigneur, croyez. Si la personne vous dit oh, Dieu est vivant, croyez. Mais ne croyez pas à la personne parce que cette personne peut être habitée. Cette personne même peut être une sorcière. Mais elle peut être là comme ça. Les sorciers sont prêts à tout pour faire du grand n'importe quoi, pour détruire la vie des gens. Ils sont prêts à tout. Même à se déshabiller, puis marcher nu, en pleine journée, devant tout le monde, devant le monde entier. Et ils vous disent qu'ils sont prêts à tout là. Ceux qui sont prêts à tout, croyez-moi. C'est quelque chose de vous dire, c'est pas de la blague. Moi, quand je parle des choses sur eux, j'aime rire. Parce que quand ça dépasse le niveau, là, à défaut de pleurer, il faut rire. Là, ça fait peur, ça fait pitié. J'ai regardé, j'ai dit, mais ah, la future génération, que se passe-t-il? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si toi tu es un vrai chrétien ou bien de lui et que tu veux aller prendre une femme, mon ami, va falloir te lever tous les matins, sortir, aller la chercher, tu vas fouiller d'air. Mais je te donne un conseil. Ne saute jamais sur la première femme venue. Parce que la première femme venue est du diable. Ce que les sorciers font, c'est qu'ils viennent tout le temps en première position. Et quand ils arrivent, ils essaient de t'impressionner. Ils te présentent leur physique. Ce sont des jeunes de filles qui aiment présenter leur corps au lieu de présenter l'état d'âme ou ce que se trouve dans leur cœur. Est-ce que de la manière elle est belle à l'extérieur? Est-ce que ce qu'on appelle à l'intérieur? Bonne question. Qui a créé cette question-là même? C'est comme tu vois une mangue. Une mangue, elle est mûre comme ça. Tu vois la mangue là. Sur le mangue, tu dis, la mangue là, t'es jolie. C'est quand j'ai des mangues, ça t'es jolie. Tu prends ta pierre, tu lances. Tu lances encore deux fois pour pouvoir l'atteindre, mais c'est dur. La seule fois que tu réussis, quand tu réussis, tu dis, mais j'ai souffert quand même, hein. Regardez, bon, voilà ce qui s'y trouve. Je pense que j'ai bien mangé puisqu'elle est belle. Elle est belle du visage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres, tu prends ton couteau, tu coupes, tu enlèves vraiment, tu regardes à l'intérieur. Tu vois qu'à l'intérieur, elle est toute noire, 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 noire dedans. Tu dis, attends. Ah! C'est de quoi ça? C'est que j'ai des malédictions, ça? C'est que j'ai des sorcelleries. Pourquoi toi, il y a témoigné et puis c'est alors où il y a témoigné, c'est là que tu deviens bizarre. Mais voilà, me dit qu'il y avait des vilaines choses à l'intérieur. Pourquoi m'as-tu pas montré des signes à l'extérieur qui montrent que tu étais une mauvaise mangue? Et là, tu m'as montré des bonnes choses à l'intérieur, il y a des mauvaises choses. Non, ouais, que se passe-t-il? C'est comme ça qu'est l'homme et la femme sorcière. Belle dans l'apparence, voilà la présentation, mais son esprit, même caca sent bon. Là, vous allez bien comprendre, ça sera la haine. C'est-à-dire, ce qu'elle va vous montrer, quand vous allez voir ça, vous allez dire non, c'est pas possible. Vous allez regretter d'avoir pris cette femme.
Et désormais, quand vous avez quitté la salle, donc vous n'allez plus vous fier aux apparences ni à la beauté d'une femme ou d'une, même d'un homme, parce que c'est toute catégorie confondue maintenant. Toute catégorie confondue. Voici ce qui se passe dans ce monde que le diable vous cache. C'est ce que le diable était préparé. Son armée, ses yeux, ses oreilles, sa bouche. Il veut que vos enfants soient ses yeux. Ne permettez pas cela. Il veut que vos enfants soient ses oreilles. Ne permettez pas cela. Il faut que vos enfants soient sa bouche. Ne permettez pas cela. Vous ne devez pas permettre cela. Priez. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux pour voir clair dans tout ce qui se passe dans votre maison et autour de votre maison. Parce que le diable cherche à contrôler toutes les maisons. Vraiment, vous avez du boulot. Hein. La vie dans ce monde-là, c'est vraiment une guerre. Vivre dans ce monde, c'est pas une chose vraiment bonne, quoi. C'est pas une chose, on va dire, oh, je viens d'arriver dans ce monde, youpi, hein, ils arrivent dans ce monde, c'est joli. Non. C'est pas possible. Ce monde-là n'est pas un bon monde. Même ce petit virus qui est venu, cette petite maladie qui est venue, ça a bloqué les riches chez eux. On dit, oh, vous ne sortez pas ici. Parce que si vous sortez, vous allez mourir. Ils sont bloqués à la maison. Ça, c'est un bon monde, ça. Ça, c'est un bon monde, ça. Les voitures de luxe, traînaient dans leur jardin. Il n'y a personne pour monter dedans, personne pour monter, personne pour sortir. On dit, ah, sérieux. Moi, je suis riche, j'ai mon argent. Et puis, je suis coincé à la maison ici, à mon argent. C'est quoi? C'est ça, le monde. Le monde où vous êtes. Quand il y a la guerre, les bombes tombent partout. Que ce soit ta maison ou pas ta maison, ça tombe partout. Là-bas, ça détruit tout. Les gens meurent. Est-ce que ça, c'est un monde, ça? Est-ce que ça, c'est un monde, ça? C'est pourquoi Dieu nous a dit, ne vous accrochez pas à ce monde. Ne vous accrochez pas à ce monde. Et la chose la plus dangereuse que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que plus il y a des sorciers dans un pays, plus la colère de Dieu risque d'arriver. Parce que les sorciers là, ne font que faire des mauvaises choses. Je vous assure. C'est ça, je vous parle. Mais s'il y a un élu de Dieu, une personne que Dieu a choisie depuis sa naissance, même avant sa naissance, que c'est tout dans le pays et que cette personne prie, cette personne va se sauver la peau. C'est-à-dire que si tout le monde tombe autour d'elle, elle restera debout. Comme debout. Là, vous comprenez. C'est pourquoi, quand on a un bon cœur, il faut toujours continuer à avoir un bon cœur. Parce que c'est ton bon cœur là. C'est ton ticket pour le paradis. Ton bon cœur. C'est ça ton ticket pour entrer au ciel. Si tu as un mauvais cœur, tu vas te chuter. Tu ne vas pas entrer là-bas. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est pas le poumon. Vous avez compris? Si vous avez des questions, posez-moi vos questions en commentaire. Si quelqu'un me fait écrire un message pour dire que toi là, tu parles comme Jésus, je dis, hey, c'est pas Jésus, hein, c'est ton voisin. Je suis moins gaba comme toi. Hein? Même peut-être plus que toi. Ok. C'est prêt. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Parce que je suis chaud. Et nous sommes là. Sur. On se parle. La chaîne officielle. C'est parti. Waouh. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nyance Bonne 3. Avec Nyance Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nyance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.